Bonjour messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue chez Mister Raf, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Mali, coup d'état manqué contre le colonel Assimi Goïta. L'annonce a été faite ce lundi 16 mai au journal de 20h de la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Un groupuscule de militaires a tenté un coup d'état contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les détails après le générique. Bien sûr, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Le coup d'État, souligne le communiqué, a été fait dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali. Les auteurs présumés de la tentative du putsch étaient soutenus, selon le colonel Abdoulaye Maïga, par un État occidental. Le coup d'État a été déjoué et plusieurs personnes ont été interpellées. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle. Aussi, le gouvernement informe que les mesures appropriées ont été déployées pour le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. Eh bien, c'est tout pour ce lot d'informations. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir.